Who's their name? Main levée pour rejeter. Nous sommes là pour toi. Prosterné, main levée, couronne jetée. Nous sommes là pour t'adorer. Prosterné, main levée, couronne jetée. Nous sommes là pour toi. Oh, prosterné. Nous sommes là pour toi, prosternés, prosternés, main levée, couronne jetée, couronne jetée. Nous sommes là pour t'adorer, Adonai, Adonai, oh Adonai. Jésus, Jésus, Jésus.
Seigneur. Tu es le Dieu vivant et vrai. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es le Dieu vivant et vrai. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu n'es pas muet. Tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas muet comme les idoles. Tu as une bouche et tu parles. Tu as des yeux et tu vois. Tu as des oreilles et tu entends. Tu as des mains et tu touches. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, de communier avec toi, de t'offrir l'adoration qui vient de nos cœurs, ce qui est une grâce. Nous sommes aussi heureux de savoir que tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu avec ta parole, celle avec laquelle tu as tout créé. Et en elle, nous avons la vie et tout ce qu'il faut. C'est pour cela que nous nous disposons à la recevoir avec foi et avec joie. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans sa présence. C'est une fierté de ne pas nuire aux voisins. Vous n'êtes pas fiers de vous? Même si les instruments nous manquent, c'est une fierté de ne pas nuire à autrui, de ne pas nuire au prochain, n'est-ce pas? L'amour du prochain, si tu aimes ton prochain, tu ne voudrais pas le nuire, n'est-ce pas? Ok, gloire à Dieu. Et nous reprenons avec la vie normale de l'Église, parce que le ministère de la musique est important. Ça ajoute quelque chose. Alléluia. Et j'espère que ça sera excellent, ainsi que tout le reste. Mercredi, nous commençons à parler de la guérison et de la santé comme nos droits d'adoption. Alléluia. Et nous allons voir des choses pratiques spirituellement, pratiques naturellement aussi. Donc nous aurons des services de guérison où la puissance de l'Esprit va prodiguer des guérisons miraculeuses. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi nous aurons des temps d'atelier, d'instruction sur les sciences sanitaires. Alléluia. Amen. Ah oui, ah oui. Pasteur Arlette va superviser avec une équipe de médecins. On a beaucoup de médecins ici et c'est une bonne chose. Pour la plupart, ce sont des sœurs, mais il y a quelques frères aussi médecins. Donc, Pasteur Arlette, en tant qu'ex-médecin, dans son ancienne vie, elle va superviser ça. On va organiser des choses scientifiques très intéressantes et intelligentes et simples pour nous permettre de garder la guérison que le Seigneur va nous donner. Amen. Quand ils auront fini leur travail, je vous promets déjà que quel que soit ce qu'ils vont dire, j'aurai un verset dans Deutéronome et dans Lévitique pour ça. Amen. Vous entendez? C'est pour vous montrer la puissance des Écritures. Ce matin, nous parlons du projet Caleb. Le projet Caleb. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Qui va habiter au milieu d'eux? C'est Dieu, n'est-ce pas? Le Créateur du ciel et de la terre. Et qui vont faire le sanctuaire? Qui? Les anges. Qui? Les hommes. Un sanctuaire pour qui?
Mais c'est les anges qui doivent le faire. Lisons ce verset en l'envers. Et s'ils ne font pas le sanctuaire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va pas habiter au milieu d'eux. Pourquoi? Il dit pas que j'habite déjà. Vous savez que nous sommes dans Exode 25 et que plein de choses glorieuses se sont passées avant, depuis Exode 1. Des miracles extraordinaires, n'est-ce pas? Des signes et des prodiges qui ont fait que Pharaon était obligé de libérer le peuple. Alléluia. Et Dieu était présent parmi eux à travers la nuée, le jour, et une colonne de feu la nuit. Et étonnamment, ici, il dit « j'habiterai ». Donc, ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Puisque c'est au futur. Alléluia. Voici un peuple qui vit déjà des choses extraordinaires avec Dieu, qui les a délivrés de l'Égypte par son bras puissant. Ils sont à un point de leur histoire où Dieu leur donne un secret. Pourquoi? Parce que Dieu veut habiter au milieu d'eux. Et en Exode 25, 8, ce n'est pas encore fait. Parce qu'il dit, ils me feront et j'habiterai. Donc, mon habitation parmi vous attend la construction du sanctuaire. Que vous allez faire? Pas les anges, mais vous. Alléluia. C'est extraordinaire. Voilà, il y a un secret ici. Et que nous allons explorer en deux dimanches. Avant de reprendre nos forces de la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné sa parole pour créer ce projet. Amen. Dieu a tout créé par quoi? Et ce projet immense qui nous dépasse, nous allons l'atteindre avec ce avec quoi Dieu crée tout. Amen. Sa parole. Amen. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc il a mis sa parole dans la bouche d'Ézéchiel. Et la parole de Dieu dans la bouche d'Ézéchiel a produit un résultat extraordinaire. Parce que Ézéchiel n'a pas dit ce qu'il voulait. Il a dit la parole de Dieu par la foi. Et face à cet immense défi, Dieu m'a donné sa parole. Et il nous a donné sa parole pour que nous la proclamions avec foi afin de créer ce projet, de rendre réel, visible ce temple glorieux à la gloire de Jésus-Christ ou ici à Casablanca. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Je veux donner quelques pensées. Dimanche prochain va être vraiment, l'accent va être mis sur le projet proprement dit et sur le but divin à travers ce projet. Mais aujourd'hui, nous nous préparons à entendre le cœur de Dieu par rapport à ce projet. Vous savez, Dieu est une personne, n'est-ce pas? Et une personne relationnelle. Très relationnel. Vous savez ça? Pourquoi Dieu est très relationnel? Parce qu'il est amour. Dieu est amour. Il aime être en interaction avec ses enfants. Il veut une relation entre lui et nous. Amen. Et il s'attend à ce que cela soit réciproque. Alléluia. Parce que le mot relation fonctionne quand il marche dans les deux sens. N'est-ce pas? Qui aime la présence de Dieu ici? D'accord. Et qui sait que Dieu aime sa présence?
qui languit après la présence de Dieu et qui sait que Dieu languit après la sienne, après sa présence. Hier, après avoir fini de méditer, je suis allé dans un lieu de repos pour prendre de l'air et continuer à méditer. Il y a un jardin là-bas et j'ai vu un monsieur avec son fils. Il avait un vélo d'adulte, le papa, et son fils avait un vélo d'enfant. Et il s'amusait dans le parc. Et l'esprit m'a posé une question. Qui fait plaisir à l'autre dans cette situation? Répondez. Pardon? Pardon? Ils se font plaisir. Voilà, ils se font. Ça, c'est la parole d'un père. Et d'un père expérimenté. Évidemment, je savais que c'était ça la réponse. N'est-ce pas? Et j'ai dit ça. Et puis l'esprit m'a dit, regarde le petit enfant. L'enfant était aux anges. Et puis l'esprit m'a dit, l'enfant ne sait pas qu'il procure du plaisir à son père. Il ne sait pas ça. L'enfant est content de jouer avec son père. Et vous savez, les enfants sont égoïstes. Ils en ont le droit. L'égoïsme des enfants n'est pas illégal. Tant qu'on est immature encore. Mais l'enfant ne se rend pas compte qu'en fait, malgré sa petitesse, il procure un plaisir immense à son père. Parce qu'il est dans une situation où il consomme, n'est-ce pas, la présence de Dieu. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer avec papa comme ça. Parce que normalement, un papa n'est pas un chômeur. N'est-ce pas? Que les sages disent, amen. Recevez ça. Donc, on n'a pas toujours la grâce d'avoir ce temps. N'est-ce pas? Donc, quand l'enfant attrape papa, il dit, il faut prendre le maximum parce que je ne sais pas dans combien de mois j'aurai encore l'occasion que ce ne soit pas le cas pour nous. Mais ce que l'enfant ignore, c'est que son père a besoin de ça aussi. Je recommence. Qui aime la présence de Abba Père? Qui est conscient que Abba Père aime sa présence? Ah ouais. Donc Dieu est relationnel et il aime notre présence. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Si vous voulez comprendre comment Dieu est, le Dieu qu'on ne voit pas, regardez à Jésus. Alléluia. C'est tout ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous faire comprendre qui est Dieu. Parce que, écoutez-moi, même les prédicateurs ne savent pas vraiment qui est Dieu. Et il nous donne une idée qui n'est pas toujours juste de Dieu. Alors, Jésus est venu nous révéler le Père. Allons dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 33 à 35. Affiche-le pour moi. Luc 5, 33 à 35. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens font quoi? Mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera, alors
Ils jeûneront pourquoi? Ils jeûneront pourquoi? Parce qu'ils vont déposer un CV dans une multinationale. Il y a on a besoin d'une seule personne, il y a 3000 candidatures. Alors, il va aller jeûner fort, fort, fort pour être pris. Ou bien, parce qu'ils sont en train d'attendre les résultats du bac. Alors, ils vont jeûner fort, fort pour réussir. Ils jeûneront pourquoi? Parce que l'époux leur sera enlevé. Vous entendez le mot enlevé? C'est comme arraché. Ils jeûneront parce que l'époux leur manque. Quelqu'un entend ça? Oui. Un Thessalonicien. Chapitre 4, à partir du verset 13e, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance, n'est-ce pas? Christ en nous, espérance de la gloire. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez, pourquoi? Si tu es encore vivant, c'est pourquoi? Tu m'entends? Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Souvenez-vous, ils jeûneront parce que l'époux leur sera... Et pour le rejoindre, nous allons prendre le même moyen de transport. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Si tu prends le même moyen de transport que lui, tu arriveras là où il est. Amen. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi... Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne nous séparerons plus. Amen. Écoute la bonne nouvelle. Quand Jésus dit qu'ils jeûneront parce que l'époux leur sera enlevé, il est en train de dire que lui-même, il a souffert de devoir partir. J'ai des frissons comme ça moi-même. Mais il dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Écoutez, vous connaissez ce verset, mais entendez le cœur du Seigneur. Car si je ne m'en vais pas, voyez, il n'est pas parti avec joie, vous dit, bon débarras, 33 ans sur terre, c'était trop dur d'être dans ce corps, de marcher dans la poussière. Moi qui... Non. Il est en train de se justifier. À peine s'il est en train de se justifier, il dit, écoutez-moi, il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais ce qui m'intéresse, c'est que un jour, nous le rencontrerons pour toujours. Et nous ne nous séparerons plus jamais. Un jour, bientôt. Bientôt, nous le rencontrerons et nous ne nous séparerons plus. Un jour, bientôt et très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi.
Alléluia, alléluia. Nous allons voir le roi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Jésus est venu dans leur maison. Marthe passe tout son temps à s'agiter. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et Jésus a pris position. Il a montré qu'il préfère ça. Il préfère la communion au service. Alléluia. Quelqu'un entend le cœur du Père? Il préfère la communion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus servir sous prétexte que tu es en communion. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Tu ne peux pas être un vrai adorateur et ne pas te sentir obligé, poussé à le servir. Les vrais maris finissent toujours par servir, mais ils font la chose que le maître attend. La rencontre, à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, l'histoire de Dieu avec l'homme était une histoire de rencontre, dès le commencement. Genèse 1 est le récit de la création. Genèse 2 est le récit des rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres entre Dieu et l'homme. Dans Genèse 2, Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme, à cet instant-là, devint un être vivant. C'est-à-dire, l'homme devint conscient quand l'Esprit de Dieu est entré dans la forme que Dieu avait faite. Mettez-vous à la place de cet homme. Au réveil de l'homme, la première chose que l'homme a vue quand il s'est éveillé, c'était quoi? La présence de Dieu. La vie de l'homme sur terre a commencé avec la conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Il s'est éveillé dans la présence de Dieu. Et il a vu les mains de Dieu pleines d'argile, comme les mains du potier, qui lui donnaient une forme. Il en a été conscient par le souffle de vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La toute première rencontre entre Dieu et l'homme, c'est à travers le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que impossible d'être en communication avec Dieu qui est esprit, et nous qui sommes dans la chair, sans le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, la grâce du Fils et la communication de qui? Du Saint-Esprit, soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Donc, la rencontre entre Dieu et l'homme s'est faite à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, Dieu a pris l'homme. J'aime ça. Et il l'a placé dans le jardin qu'il avait planté. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on dit? Il prit l'homme. C'est-à-dire qu'il le tint par la main. Il dit, allons-y. J'ai un endroit pour toi. Suis-moi. C'est ici ta demeure. Reste ici dans le jardin. Le meilleur endroit sur terre te revient à toi. Le deuxième endroit de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est dans le jardin. Un lieu spécial, une position spéciale, appelé Christ. Christ est un lieu, est un lieu. Savez-vous que Christ est un lieu? Est-ce que vous le savez? Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes où Christ est un lieu. Il nous a fait asseoir avec lui au-dessus de toutes sortes de dominations en Christ. Christ est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Alléluia. Alléluia. Le troisième lieu de rencontre, c'est que il donne un ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres, n'est-ce pas? Du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Un ordre, une parole qui est sortie de sa bouche, une instruction bienveillante. L'homme a rencontré Dieu à travers sa parole. Qui est encore Christ? La personne même de Christ. Et il lui a permis de manger de l'arbre de vie qui symbolise encore Christ. Alléluia. C'est une histoire de rencontre. Une histoire de rencontre. Alléluia. Une histoire de rencontre. Un autre lieu de rencontre, c'est que l'homme, Dieu place l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Et il fait venir vers lui tous les animaux afin que chaque animal de la terre porte un nom que Dieu lui donnerait. L'homme a rencontré encore Dieu à travers la mission, le travail, la responsabilité qu'il lui a donnée. Si ton cœur est ouvert, tu es en train de capter des principes spirituels pour entrer en communion avec Dieu. Par le Saint-Esprit, à travers Christ comme un lieu, n'est-ce pas? À travers Christ comme une personne, mais à travers aussi Christ comme le Seigneur qui te donne du travail à faire, amen, qui te donne des ordres. Alléluia. Donc, il a rencontré Dieu à travers Christ, son Seigneur, qui lui confie la mission. Alléluia. Et après avoir fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, pour vous montrer à quel point la Bible est cohérente, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Avant de lui donner du travail, Dieu savait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme, dans un lieu d'abondance qu'est Éden, il ne manquait de rien, sauf d'une seule chose. Quoi? La compagnie d'un autre lui-même. Encore une relation. Vous entendez? En réalité, en Christ, nous sommes déjà en Christ, n'est-ce pas? Nous ne manquons de rien. Mais il nous manque une interaction avec un autre nous-mêmes. Vous allez comprendre dans la suite. Mais l'obéissance à la mission est le moyen d'atteindre son plus grand besoin. C'est plus fort que les supplications et l'intercession. Parce que Jésus dit, votre Père, avant que vous n'ouvriez la bouche, il sait déjà de quoi vous avez besoin, n'est-ce pas? Il sait déjà. Alors quand il est en train de te dire, fais ça, va là-bas, va à droite, va à gauche, en fait, il est en train de te pousser vers la rencontre de ta vie. Et il a fait s'endormir, pris une côte, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et il a présenté Rose Claire. Et Daniel est sorti de son silence et de son sommeil. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est quoi? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Un autre moyen de rencontre avec Dieu, c'est de rencontrer sa grâce, sa faveur. Alléluia. Donc, un autre moyen de rencontre avec Dieu, c'est à travers Christ, la faveur de Dieu. Christ qui nous apporte la grâce de Dieu. Alléluia. Genèse 3, l'homme a péché. La Bible dit, l'Éternel vint à sa rencontre à travers sa voix qui parcourait le jardin. Et la question qu'il pose, c'est quoi?
Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est ça qu'il pose comme question? Il dit quoi? Il a dit, il y a un endroit où on se rencontrait. Je suis venu au lieu de rendez-vous. Mais tu n'es pas là. Ma souffrance n'est pas d'abord ce que tu as fait, mais c'est ton absence dans le lieu de rencontre. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? La religion ne vous parlera pas de ça. La religion vous donnera une somme de choses à exécuter, comme si Dieu était là, comme un méchant bourreau qui attend de voir des tâches. C'est une relation entre un bourreau et un esclave. Ça, c'est la religion. Mais Christ est venu nous dire, ce que Dieu cherche, c'est notre présence. Amen. Il y avait des lieux de rendez-vous et il vient régulièrement, fréquemment, à travers tous ces lieux que j'ai cités. Chaque jour, il vient parce que ce sont des principes spirituels pour nous, se rencontrer avec nous. Mais quand il arrive là-bas, tu n'es pas là, il dit, où es-tu? Il ne dit pas, qu'as-tu fait? Non. Bien sûr que ce que l'homme a fait n'est pas bon, n'est-ce pas? On ne banalise pas ça. Mais sa plus grande faute, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais c'est son absence dans le lieu de rendez-vous. Il est venu quand même. Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas ce que l'homme avait fait? Mais il est venu quand même. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à réparer ça. Il est miséricordieux. Parce que son dernier lieu de rencontre, c'était à travers la grâce, la faveur. Donc Dieu ne change pas. Il ne change pas. Écoute, si Dieu te fait grâce parce que tu as fait de bonnes choses, ce n'est plus une grâce. C'est un salaire indu. Non? J'ai parlé dernièrement avec un frère ici. Il est venu, il m'a dit, pasteur, les ateliers se sont bien passés. Ça a pourvu vraiment à toutes mes questions. Mais il me restait une seule question et je n'ai pas eu le temps de la poser en atelier. Est-ce que tu voudrais bien que je te la pose? J'ai dit, bon, vois-moi immédiatement après le culte. Il est venu, il m'a dit, pasteur, je suis d'accord avec tout ce que nous avons partagé sur le bonheur. Et je me dis, mais si je suis heureux, je ne dois pas manquer du minimum. Et l'Esprit m'a dit, pose-lui une question. Je lui ai dit, est-ce que ceux qui ont tout arrivent à être malheureux? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors, ceux qui ne peuvent pas te rendre heureux n'ont pas non plus le pouvoir de te rendre malheureux. Elle me dit de recommencer. Écoute, ceux qui ne peuvent pas te rendre heureux n'a pas le pouvoir de te rendre malheureux. D'accord? Écoute, si quelqu'un a tout et il n'est pas heureux, ça veut dire que le bonheur ne passe pas par ça, par ce chemin-là. Vous savez que nous prêchons la grâce de Dieu, l'abondance. Moi, je crois en l'abondance. Pas en termes de milliards, mais en termes de pleine satisfaction, d'avoir ce dont on a besoin. N'est-ce pas? Regarde, un enfant, les petits enfants là, tu lui achètes un chips, ok, qui t'a demandé, un chips, ça coûte 2 dirhams. Il est autant heureux que si toi tu étais allé dans un resto 5 étoiles. Nos besoins ne sont pas les mêmes. Donc avec 2 dirhams, il est pleinement satisfait, autant que tu le serais dans un resto 5 étoiles. Ok? Donc, je crois en l'abondance. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera milliardaire. La promesse qu'il nous a faite, c'est que nous ne manquerons de rien. Et il nous a montré le chemin pour être pleinement pourvus.
Mais nous ne voulons pas prendre ce chemin et utiliser la prière pour le forcer à agir à l'encontre de sa parole. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok? Sa dernière expérience avec Dieu, c'était la grâce. À travers cette femme qui lui a offerte. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'Adam n'a pas eu le temps de demander une femme? Il ne savait même pas ce que c'est qu'une femme. Il ressentait un vide, mais il n'avait pas de mots pour décrire ce vide. Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Dieu n'attend pas que tu pries pour te donner ce dont tu as besoin. La prière est avant tout l'expression de la communion, un moyen de communion avant tout. Alléluia. Et après, un moyen d'intercession. C'est-à-dire quoi? Pour les autres. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu qui s'est révélé à toi comme le Dieu de grâce, il ne change pas. Il ne change pas de caractère parce que tu as commis une faute. Autrement, ce ne serait plus un caractère. Parce qu'un caractère, c'est ce qui est gravé en toi. Tu l'es indépendamment des circonstances. Alléluia. Si tu veux savoir que tu es bon dans ton caractère, attends quand on va te faire du mal. Parce que ce qui est gravé en toi est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas comme ça à cause des circonstances favorables. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Et ce n'est pas parce que l'homme l'a déçu que Dieu va changer sa personnalité. Lisez bien la parole. La Bible dit ceci. À celui qui est fidèle, tu es fidèle avec lui. Et à celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Dieu ne peut pas devenir pervers. Vous comprenez ça? Dieu est fidèle, ok? Et quand il a affaire à quelqu'un qui est fidèle, il se montre fidèle. Mais quand il a affaire à quelqu'un qui est pervers, il ne peut se montrer pervers. Il est incapable de l'être. Alors il agit selon sa perversité à lui. Parce que la désobéissance, c'est quoi? C'est montrer à Dieu que tu as ta volonté et que tu veux prendre le contrôle. N'est-ce pas? C'est comme dans un avion. À un moment, tu dis au pilote, dégage. Je vais prendre les choses en main. Si ce pilote est Dieu, tu sais ce qu'il va faire? Il va aller s'asseoir derrière. Et tranquille, pourquoi? Parce que si ça crache, lui, il est immortel. Il est immortel. S'il était aux commandes, c'était pour nous. S'il a pris l'avion, c'était pour nous conduire. Lui, il n'a pas besoin de moyens de transport. Alléluia. Il est omniprésent. Il n'est pas assujetti à un moyen de déplacement pour aller d'un point A à un point B. Mais il sait que toi, tu es dans la chair. Je suis dans la chair. Alléluia. Même si je suis son enfant, je suis dans un corps limité. Exceptionnellement, il peut faire ça et je me retrouve à sa fille. Exceptionnellement. Mais en règle générale, ça ne doit pas passer comme ça. Alléluia. Il est esprit, il n'est pas affecté, il peut pas être affecté par la maladie, mais il sait que mon corps peut être affecté par la maladie. Alors il a un moyen pour te faire passer de la maladie à la santé. Il y a un chemin. Amen. Et il vient et dit, monte, nous allons quitter ce pays de la maladie. Je vais t'emmener dans le pays de la guérison. Amen. Mais c'est moi qui connais le chemin, donc je le commande. Et si à un moment donné, tu désobéis, c'est-à-dire, tu dis, moi aussi, je sais. Et il dit, ok, prends les commandes. C'est le leadership auquel je crois, qui a franchi les gens. Qui laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Je vous assure, c'est ma prière de tous les jours, d'être un tel berger qui vous laisse faire ce que vous voulez et qui vous instruit à l'avance sur les conséquences. Pourquoi?
parce que Dieu me traite comme ça, qui suis-je? Je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas plus fort que lui. Donc, j'étais en train de dire que l'homme a désobéi. Dieu est venu quand même, parce qu'il est un Dieu de grâce. Et vous connaissez la fin de l'histoire. C'est lui qui couvre la nudité de l'homme. Et ça, ça a été le dernier contact entre Dieu et l'homme, à travers le vêtement de justice appelé Christ. Tout dernier contact. Quand tu nais de nouveau, tu commences par le dernier contact. Christ est ma justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont comment? Gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Christ. Car il a été devenu une victime expiatoire pour notre justification. Victime pour que je sois couvert. On a tué, lui, l'agneau de Dieu, afin que sa peau couvre ma nudité. Et l'histoire de la rencontre entre Dieu et l'homme commence par la fin. Nous commençons, quand nous recevons Christ, nous commençons là où la relation entre Dieu et Adam s'est arrêtée. Amen. Et nous commençons à faire marche arrière. Pour vivre toutes ces expériences de rencontre. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, tout ce que Dieu fait se résume en un seul nom, Christ, et par le Saint-Esprit, à travers sa parole. On n'a pas besoin de formule. Il n'y a pas de formule. Ta relation avec Christ qui se développe par le Saint-Esprit à partir de la parole. Il n'y a pas de formule. Alléluia. Amen. Tu aimes la présence de Dieu? Oui. Est-ce qu'il aime ta présence? Oui. Amen. 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 Alors, Exode 25, verset 8. Dieu prend l'initiative et il dit à Israël, je vous aime tellement que je veux habiter au milieu de vous. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Encore une fois, Israël n'a pas intercédé pour dire, oh Dieu, viens habiter parmi nous. Ils n'ont pas eu le temps d'intercéder comme ça. Et Dieu vient montrer un principe, où il veut nous rendre responsables de la qualité de sa présence parmi nous. Je recommence. Dieu donne un principe où il veut nous rendre responsables de la qualité de sa présence parmi nous. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Autrement dit, la qualité de ma présence au milieu d'eux, de mon habitation parmi eux, dépend de la qualité du sanctuaire qu'ils vont faire pour moi. Amen. Amen. Alléluia. J'ai eu deux expériences dans le ministère. Un jour, j'étais dans un pays et un monsieur m'a demandé si je pouvais prêcher dans une équipe qu'il dirigeait dans leur église, sous l'autorité de son pasteur, évidemment. C'est quelqu'un que j'aime bien et que je connais. Quand je suis arrivé dans leur pays pour répondre à son invitation, il m'a accueilli et il m'a logé dans l'hôtel le plus important du pays. L'hôtel numéro un du pays. Et la veille,
une semaine avant que je n'arrive là-bas, le président de la France avait logé là-bas. Et ce n'est pas le pasteur Doudou d'aujourd'hui, hein. C'est le pasteur Doudou d'il y a 7 ans, parce que ça fait 7 ans. C'est-à-dire que, ramenez-moi 7 ans en arrière, il me considérait déjà comme étant digne d'habiter dans l'hôtel le plus important du pays. Mais Dieu sait nous équilibrer, vous savez, pour que tu ne te valorises pas par ces choses. 2 ans plus tard, un autre pasteur m'a invité. Et lui, c'était un Américain. Je me suis dit, forcément, il m'a logé dans le débarras de sa maison. Je dis, hein, le débarras. Avec un lit de tente, vous savez, des lits pliables là. Il dit, bon, on a préparé ça pour toi. Et il m'a montré les toilettes. Les toilettes auxquelles eux, ils n'ont pas accès. Tu vas te sentir comment? Moins pasteur Dodo? Bien sûr que non. Est-ce que dans le plus grand hôtel, tu vas te sentir plus que pasteur Dodo? Bien sûr que non. Je sais ce que je suis. Parce que ma valeur ne dépend pas de l'or et de l'argent qui sont extérieurs, mais du sang de l'agneau. C'était pour dire que notre attitude révèle où nous plaçons qui. N'est-ce pas? Dieu dit, ils me feront un sanctuaire. Je veux voir dans le sanctuaire qu'ils vont faire qui je suis réellement à leurs yeux. Amen. Et je veux me manifester parmi eux selon ce qu'ils pensent que je suis. Quelqu'un a compris? Donc, quand tu penses au projet Caleb, quelle est l'idée du bâtiment que tu as? Première question, quel genre de bâtiment tu envisages? Cela va déterminer ton engagement et ta contribution. Encore une fois et toujours, nous ne parlons pas de chiffres. N'est-ce pas? Parce que Jésus, un jour, était au temple. Et il est venu lui-même regarder à l'intérieur du panier des offrandes pour voir ce que l'on y mettait. Quand le sœur de l'accueil passe avec le panier, il n'y a pas un moment aussi évident de la présence de Christ comme ce moment-là. Et Christ les accompagne pour regarder à l'intérieur. Oui, ne baisse pas la tête. Il regarde vraiment à l'intérieur pour voir ce que l'on y mettait. Alors je me dis, je vais casser ma tirelire. On va faire un appel. Ceux qui vont donner 1 million, l'homme de Dieu lui-même va imposer les mains. Il va prier personnellement pour eux. Ceux qui vont donner 100 000, on va les mettre en groupe de 10. Et l'homme de Dieu va prier pour le groupe. Et ainsi de suite, et les autres, que Dieu vous bénisse. Ça se passe, non? Il y a des endroits où ça se passe comme ça. Écoutez, avant de les critiquer, comprenez qu'ils sont ignorants. D'accord? Ce n'est pas toujours des voleurs. Hein? Mais parfois, ce sont des ignorants. Alors, Jésus poursuit sa pédagogie parce qu'il montre d'abord l'importance extrême qu'il accorde à l'offrande. Il a une attention personnelle sur ce qu'on y met. Personnelle, lui-même, il regarde ça, lui-même.
Alors, il poursuit sa pédagogie en disant, il y a une femme qui a amené des centimes. Et elle a donné plus que tout le monde. Ah, donc ce n'est pas une affaire de chiffres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je dis, Seigneur, si quelqu'un a donné 1 million et un autre a donné des centimes, tu dis qu'elle a donné plus. Explique-moi un peu, quelle est ton arithmétique? Partage-nous un peu de ta connaissance, de ta comptabilité spirituelle. Il dit, oui, c'est sur mes lèvres. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. J'appelle ça la loi des proportions. La règle des proportions. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu donnes, mais ce que ça représente par rapport à ce que tu as. C'est ça qui détermine la valeur de ce que tu donnes et la valeur que tu donnes à ton Dieu. La valeur que tu donnes à sa maison. Et Dieu dit, mais il en sera fait selon ta foi. J'agirai pour toi selon ce que tu penses que je suis. Alléluia. Amen. On va conclure en lisant 2 Corinthiens 6, 16. Nous parlerons du projet Caleb proprement dit dimanche prochain, d'accord? Parce que je dois donner une explication biblique de ce projet. Dans l'Église, nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit qui n'est pas justifié par la Bible. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de place pour d'autres idées. Même pas de bonnes idées. C'est ce que Dieu appelle un feu étranger. Ok? Donc, quoi que ce soit que nous poursuivions dans l'Église, nous devons le prouver bibliquement. S'il ne peut pas être prouvé bibliquement, il n'a pas sa place dans l'Église. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? On va aller doucement parce que il faut pas qu'on passe à côté. Il fait une comparaison. Il veut qu'il y ait une distinction. Entre quoi? Pas entre Dieu et les idoles. Non, non, Dieu, écoutez, Dieu n'a pas le temps de se comparer à Satan. D'accord? Il veut qu'il y ait une différence entre quoi? Le temple de Dieu et quoi? Et les idoles. Pas le temple des idoles, mais les idoles eux-mêmes. S'il y a des idoles qui règnent et qui dominent quelque part, la réponse de Dieu, c'est à travers son temple. Alléluia. Et c'est ce que Dieu poursuit dans cette ville, dans ce pays et partout où il nous enverra. C'est ce qu'il poursuit. Il dit, quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Paul dit, comme Dieu l'a dit, il se réfère à une parole que Dieu avait déjà dite. Il se réfère aux Écritures. Ok? Alléluia. Il se réfère à Exode 25, 8. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et je dis, Seigneur, Exode 25, 8 ne dit pas ça.
Exode 25, 8 dit presque ça, mais Exode 25, 8 ne dit pas exactement ça, merci. Exode 25, 8 dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il me dit, oui, les Hébreux ont compris ce que Dieu avait dit. D'accord? Alors, Paul maintenant est en train de prêcher à une culture grecque, des siècles plus tard. Voici la bonté de Dieu. Il veut faire en Grèce, à Corinthe, exactement ce qu'il avait fait en Israël. Exactement. Il veut faire avec nous exactement ce qu'il avait fait avec le peuple d'Israël. Et il va utiliser quoi? Le même principe, le même matériau, le même moyen. Le même moyen. Si ça a marché avec eux, ça ne peut pas échouer avec nous. Mais quand on transporte le principe et qu'il traverse le temps, l'espace, les cultures et les générations, on doit le contextualiser. Parce que la vérité spirituelle a été dite en hébreu. Elle doit être traduite en grec. Et mes jeunes... les étudiants, ils comprennent de quoi on parle. Mieux que vous. Mais ne venez pas. On est déjà bien comme ça. Je ne veux pas d'interférence des... Non, ça va, ok. Ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est exactement ce qu'Israël avait entendu quand Dieu leur avait dit Exode 25, 8. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que si tu dis aux Corinthiens, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, les Corinthiens passent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de temples d'idoles, des statues qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont deux bouches, mais qui ne parlent pas, qui ont des mains et qui ne touchent pas, qui ont des pieds et qui ne bougent pas. Donc, venez leur présenter encore un Dieu qui habite parmi eux. Où est-ce que je veux dire? Il faut être intelligent dans l'évangélisation, d'une intelligence spirituelle. Il faut comprendre la culture de l'autre. Pour lui parler des vérités élevées, mais dans son langage. Afin qu'il comprenne, là on ne parle pas du même Dieu, Corinthien. Je veux vous donner un exemple. Vous savez, dans l'église de Corinthe, il y avait des choses graves, n'est-ce pas? Comme un jeune homme qui est allé avec la femme de son père dans l'église. C'est là où Paul dit, mais... ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, mais il ne parle pas aux païens. Vous devez comprendre ça. Il parle à des chrétiens corinthiens convertis au christianisme. Ok? Mais qui ont une vie légère. Pourquoi? Je veux juste vous donner un détail. Parce que dans cette culture, il y a ce qu'on appelait des orgies. La prostitution sacrée. C'est qu'il y avait une manière du culte de vivre dans l'impureté pour la gloire d'une idole. Donc quelqu'un qui vient de ce background-là, de cet arrière-plan-là, d'accord? Il ne mesure pas encore à quel point c'est abominable. Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Il croit vraiment en Dieu. D'accord? Mais autrefois, dans ses croyances, il y avait une place pour ces choses-là. Même dans le temple. Oui, l'esprit lui dit que ce n'est pas ça. Mais il est beaucoup plus susceptible à ce genre de faiblesse à cause de son intelligence qui n'est pas renouvelée. Ok? Alors, Paul vient,
Il sait que Dieu veut faire à Corinthe la même chose qu'il avait fait en Israël. Vous me suivez? Dieu veut faire à Casablanca la même chose que ce qu'il a fait en Israël. Amen. Il sait ça. Alors, Dieu est un Dieu de principes. Il travaille avec les mêmes principes depuis toujours. Donc, Paul, c'est un peu ce que j'ai senti pour nous. Il faut d'abord, dans le lieu de prière, arriver à discerner ce que Dieu veut. D'accord? Quand tu arrives à le comprendre par le Saint-Esprit, tu cherches maintenant le principe que Dieu utilise pour arriver à faire ce qu'il veut. Et ce principe se trouve dans la parole. Et donc Paul prend Exode 25, 8, mais il dit, il faut que je le contextualise. Je ne le change pas. Hein? Vous m'entendez? Je ne le change pas, mais je le contextualise pour eux. Je disais au premier culte que la même phrase que tu dis à tout le monde n'est pas entendue, perçue de la même manière. N'est-ce pas? Quand tu dis à un boulanger, tu fais bien ton travail. Et que tu dis à un maçon, tu fais bien ton travail, ils n'entendent pas la même chose. Quand tu dis à un boulanger, tu fais bien ton travail, il comprend qu'il fait du bon pain, des bons croissants, et ainsi de suite. Quand tu dis à un maçon, tu fais bien ton travail, vous voyez, la même phrase, il comprend qu'il sait bien élever les murs, entre autres. Vous me suivez? Alors, il faut qu'il parle le langage des Corinthiens. Affiche de Corinthiens 6, 16. Alors il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, dans les principes d'interprétation biblique, on appelle ça le principe de parallélisme. Vous voyez, deux vérités vont deux à deux. Vous comprenez? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu vois? Il y a un groupe de deux vérités qui vont deux à deux. Alors que dans Exode 25, 8, il n'y a que deux vérités. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, il faut arriver à comprendre ce que Paul est en train de faire. Il faisait quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les prédicateurs doivent avoir du temps. Beaucoup de temps pour trouver la meilleure manière de transmettre la simple vérité que Dieu veut dire au peuple. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le dire de manière à ceux qu'ils comprennent et qu'ils parviennent là où Dieu les attend. Alléluia. Ne sois pas pressé pour te lever et parler. Quand tu as compris, travaille, médite, prie, demande l'aide de l'Esprit. Jusqu'à ce qu'il simplifie les choses tellement, tellement que tu les dis simplement, et pourtant sont chargés de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc commençons par la fin. Ils me feront un sanctuaire. Ça correspond à ce qu'il dit. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pourquoi? Parce qu'un sanctuaire est tout simplement une maison construite pour une divinité. Alléluia. Alléluia. Le palais royal n'est pas un sanctuaire. La maison blanche n'est pas un sanctuaire. Les Élysées ne sont pas un... Hein? Le palais de l'Élysée n'est pas un sanctuaire. Question. Dans ton pays, le palais s'appelle comment? Vous voyez, dans chaque nation, le lieu de l'exercice du pouvoir. Cette maison a un nom. Il y en a chez toi? Ce sont des maisons importantes, d'accord? D'accord? Mais ils ne sont pas des sanctuaires. Parce que celui qui habite là-bas n'est pas Dieu. Quand il dit « ils me feront un sanctuaire », ça correspond à « je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Comment ça se passe? Ça se passe que les Corinthiens ont compris qu'ils vont construire un bâtiment. Ok? Et ils vont dire
Voici le sanctuaire attribué à Jésus-Christ dans la ville de Corinthe. Pas une maison simplement, mais un sanctuaire. Donc Jésus au ciel dit, ah, s'ils ont construit un sanctuaire pour moi, ceux qu'ils me considèrent comme leur Dieu, je suis d'accord et je les adopte comme mon peuple. À partir de ce moment, tout change. Pourquoi? Parce que les Corinthiens ont compris qu'ils doivent donner une adresse à Jésus-Christ dans leur ville. Vous m'entendez? Une adresse. Après, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et Paul complète, il dit, j'habiterai et pourquoi il ajoute? Il n'ajoute pas. Vous me suivez? Il n'a pas le droit de modifier. En fait, il est en train de dire aux Corinthiens ce que les Hébreux avaient entendu. Quand Dieu a dit aux Hébreux, j'habiterai au milieu de vous, les Hébreux ont bien compris. Comme quand tu dis à un boulanger, tu fais bien ton travail, tu vois? Tu n'as pas dit que tu fais bien ton pain complet. Tu comprends? Mais si tu dis à un boulanger, tu fais bien ton travail, le boulanger entre dans sa boutique et il regarde et dit, mes pains simples sont les meilleurs, mes pains complets sont les meilleurs, mes pains au chocolat sont les meilleurs, mes schnecks sont les meilleurs, mes smoothmen sont les meilleurs, mes archas sont les meilleurs. Avec une simple phrase, ça réjaillit sur tout. C'est ce que les Hébreux ont entendu. Alors il faut faire entendre aux Grecs la même chose et faire entendre aux Kazaouis la même chose. Parce que s'ils n'entendent pas la même chose, ils n'entendent pas ce que Dieu avait dit à l'original. Parce qu'il dit comme Dieu a dit, comme Dieu a dit, pas seulement ce que Dieu a dit, mais comme Dieu l'a dit. Dire ce que Dieu a dit, comme il l'a dit. Alors pour les Corinthiens, il fallait dire, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et en ce moment-là, ton cerveau et le mien commencent à tourner. Ça montre que c'est un Dieu qui n'est pas statique. Il est dynamique dans sa maison. Il n'est pas assis comme les idoles qui ne bougent pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous posez une idole ici, ok, revenez 38 ans plus tard, il sera où? Pourtant, il habite, n'est-ce pas? Mais il est immobile. Si vous voulez, si l'idole a besoin d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? S'il vous plaît, déplacez-moi. Je suis fatigué d'être au même coin. Vous comprenez? Donc, il part du temple du Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu dynamique. Quand il est quelque part, ça bouge. On sent sa présence, sa vie. Il communique la vie. Il change les choses. Il déplace les éléments. Vous vous mettez à la place des Corinthiens? Ils ont bien compris ce que Paul disait. Alléluia. Maintenant, à notre tour, nous entendons ce que Paul a dit aux Corinthiens en grec. Mais nous l'entendons en français. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. L'esprit qui est en toi, si tu médites, vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous a été donnée pour qu'on la médite. Il faut la méditer. Le texte du Torah, médite-le d'abord. Médite. Et après, lis le commentaire et pose-toi la question. Pourquoi ils ont dit ça? Je te répondrai, qu'est-ce que toi d'abord tu as dit? Parce que si toi tu n'as rien dit, ce que nous on a dit ne te profitera pas beaucoup. Alors comment je lis ça en français? Et je dis, Dieu habitera au milieu de nous et il marchera au milieu de nous. Je me dis, mais Dieu n'est pas un vagabond. Ou il cherche un temple dans lequel il va se promener. N'est-ce pas?
Ça veut dire que s'il se déplace, c'est pour une raison. Amen. Vous entendez? Amen. Donc je comprends que c'est un Dieu dynamique. Comme c'est son sanctuaire, quand il entre dans sa maison, ok, il fait d'abord le tour du propriétaire. Et comme il est un Dieu glorieux, il va corriger toutes les imperfections pour rendre cette maison conforme au niveau de sa gloire. Et il va faire des grandes choses. Réfléchissez simplement comment ce peuple Israël qui bougeait dans le désert était extraordinaire, invincible. Ils étaient en autarcie. Ils étaient tout suffisants. Quand ils avaient besoin de viande, ça venait. Quand ils avaient besoin de pain, ça venait. Quand les ennemis voulaient les attaquer, ils n'y arrivaient pas. Quand on voulait les maudire, impossible. À partir du moment où ils ont fait le sanctuaire, leur expérience est devenue extraordinaire. Et à partir du moment où nous allons faire le sanctuaire, notre expérience va devenir extraordinaire. Et les gens autour de nous diront, ça c'est le temple de ceci. Ça c'est le bâtiment de ceci. Ça c'est la maison de tel marabout. Ça c'est la maison de telle idole. Mais ça, alléluia, c'est le temple du Dieu vivant. Ça veut dire que les autres sont morts. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour son amour parmi nous, pour sa présence. Et pour sa parole qui nous montre ce que nous avons à faire pour l'amener à habiter et à agir au milieu de nous. Parle au Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Est-ce que quelqu'un veut prier, parler à Dieu? Il est un Dieu vivant, donc il nous entend. Il nous entend. Il nous a parlé et il attend ta réponse. Père, je te rends grâce et je bénis ton saint nom pour ton amour, pour ton amour. Tu es devenu notre Père et simplement m'imaginer que tu aimes ma présence est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est plus qu'un compliment. Oh papa, merci. Merci. Moi aussi, j'aime ta présence. Et je suis heureux de communier avec les frères, d'être là, dans ce lieu de grâce que tu nous as donné, où nous pouvons t'apporter nos offrandes d'adoration, nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes, mais aussi où nous pouvons t'accorder l'offrande de notre attention. Car ça nous coûte quelque chose que d'être là. Alors que d'autres se distraient dans des choses inutiles, nous avons pris l'engagement d'être là et te prêter notre attention. Car nous savons que ce que tu as à nous dire est très important. Et nous te remercions pour le contact avec ta parole, pour le contact avec le Saint-Esprit, pour le contact avec ta grâce, ta justice. En Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour et nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Et nous sommes là. Mais nous sommes là. Pour répondre à la parole de ton cœur, pour répondre à cette main tendue, pour répondre à la révélation de ce secret qui te donne une adresse sur la terre, afin que tu confondes les idoles et que les nations sachent que tu es Dieu. Et que tu es le seul vrai Dieu, que tu es le Dieu vivant et vrai, que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle.
Nous sommes là pour répondre à ce que tu nous révèles. Père, ma prière, c'est que ta parole devienne précieuse aux yeux de ce peuple et qu'il regarde ta Bible comme une mine d'informations, d'informations à ne pas prendre à la légère, car ta parole est la vérité. Je prie que ce peuple comprenne que dans cette Bible, tu nous révèles des secrets pour faire tout ce que tu as prévu de faire. Je sais où nous nous trouvons, Père. Nous savons ce que nous sommes naturellement. Mais nous ne voulons pas nous limiter à ça. Parce que nous ne sommes pas que ça. Nous sommes d'abord tes enfants. Et nous sommes en Christ. Nos possibilités sont infinies. Donne-nous la foi pour cela. Donne-nous la foi pour cela. Donne-nous la foi. Alors nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Jésus-Christ, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu, et donne-nous la foi que nous sommes ton peuple. Prie pour ça, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. C'est la première chose que le Saint-Esprit veut accomplir en nous, afin que sa parole ne soit pas vaine. Jésus-Christ est notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous sommes ton peuple. Donne-nous la révélation de ce que nous sommes ton peuple et que tu es notre Dieu. Donne-nous la révélation de ce que nous sommes ton peuple et que tu es notre Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. 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 Nous allons maintenant parler au Saint-Esprit. Nous allons lui demander de nous aider à offrir à Dieu un sanctuaire infiniment meilleur que celui-ci, que ces trois locaux. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous montrer comment offrir à Dieu un sanctuaire infiniment meilleur que celui-ci. Ici à Casablanca, prions pour cela. Alléluia. Alléluia. Rabasandaragada. O kabasharantaradagaya. Kantabrangantarabashandaradagaya antarada. Ramandaradago rabasantere de gaya. Rakabashandere de ganta. Pranto robo sendere de gada. Le krabo santere gada bo shatarada. La kababo yante karanda be sente. Aide-nous, Saint-Esprit. 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 Montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment faire pour offrir à Jésus-Christ un sanctuaire digne de sa gloire. Dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville, nous voulons bâtir un sanctuaire qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ô Saint-Esprit, étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites.
accomplis ce miracle, accomplis ce miracle. Au nom de Jésus, nous sommes disposés, 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 nous sommes disposés. Sachez qu'avant le verset 8 en Exode 25, Dieu a donné une liste des choses que ce peuple devait apporter. Et n'oubliez pas ceci. La veille, ils étaient des esclaves. Et maintenant, ils possédaient des grands biens. Et Dieu révèle pourquoi il a fait ça. Parce qu'il avait un but. Il avait un but. Alors je te demande de rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Et de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va déposer dans tes mains bientôt. Nous allons procéder simplement par les actions de grâce. Pour ce que tu as et pour ce que tu vas avoir bientôt. Ne te laisse pas limiter. Ne regarde pas ta condition présente. Personne ici n'est un esclave. Mais regardez ce que Dieu a fait avec des ex-esclaves. Il peut faire de même, davantage avec nous. Père, je te rends grâce, je te rends grâce. Parce que tu es le même, tu es le même. Tu es le même, tu es le même. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es le même, tu n'as pas changé. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je vais avoir bientôt. Je le reçois de toi maintenant au nom de Jésus. Nous recevons de toi. Nous n'avons pas besoin de crier ailleurs. Nous n'avons pas besoin de tendre la main vers les hommes. C'est de toi que nous recevons. C'est de toi que nous recevons. C'est de toi que nous avons ce que nous avons. C'est de toi que nous aurons ce que nous aurons. Nous le recevons maintenant par la foi. Et avec action de grâce, nous recevons. 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 Il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut. Chacun 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 aura ce qu'il faut. Au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Quand Dieu parlait à Moïse et qu'il lui donnait la liste des choses que le peuple devait donner, Dieu savait qui avait quoi. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un moment où on n'a pas trouvé dans la collecte des offrandes quelque chose que Dieu avait demandé. Si Dieu dit de l'or, c'est qu'il sait qu'il y a de l'or dans le peuple. Si Dieu dit de l'éphod, il sait qu'il y a de l'éphod. Alléluia. Dieu sait ce que chacun a. Dieu sait ce qu'il va donner à chacun. Alors tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu la grâce de ne pas passer à côté de ce qu'il a prévu que tu puisses avoir pour le miracle du projet Caleb. Prie pour toi-même. Prie de tout ton cœur, 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 que je ne passe pas à côté de ma contribution spéciale, que je ne passe pas à côté de ma contribution spéciale, au nom de Jésus, que je ne passe pas à côté, que je ne passe pas à côté, que je ne passe pas à côté, que je ne passe pas à côté de cette grâce, de ma contribution spéciale. Tout ce que tu as prévu que je puisse apporter. Ô Père, donne-moi de l'atteindre et de l'apporter. De l'apporter. Au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez en ce que nous faisons? La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche du Seigneur croit qu'il existe. Et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez en ce que nous faisons? Est-ce que vous croyez en ce que nous faisons? C'est
une maison de rencontre. Et une maison où il va se manifester. Une maison où il va se révéler. Devons-nous attendre que ce bâtiment soit réalisé pour voir des grandes choses? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais en attendant, nous devons pratiquer sa présence et aimer sa présence par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ la parole, par Jésus-Christ la grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre justice. Nous devons aimer sa présence, n'est-ce pas? Nous devons aimer sa présence. Pratiquer sa présence. Communier avec lui. Alors, en entendant ce miracle, nous voulons simplement dire au Père combien nous aimons sa présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer. Pratiquez, pratiquez, ne vous lassez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez.
Je suis avec vous. Personne ne sera contre vous. Personne ne sera efficacement contre vous. Parce que je suis avec vous. Personne ne peut s'opposer à vous. Parce que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple. J'habite au milieu de vous. Personne ne peut vous arrêter. Veillez et priez. Veillez et priez par la chair et faim. Mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez. Il demande de dire merci. Il dit de dire merci. Il lui rend ma grâce. Il lui rend ma grâce. Il lui dit merci. Il lui dit merci. Il lui dit merci. Il lui dit merci. Il dit de dire merci. Il dit de dire merci. Mais il lui dit merci. Merci. Merci, papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci. Ah bah mon cher papa. Et te disons merci. Oh capera sandorada. Abba, mon cher papa. Mon cher papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ce miracle. Merci de nous faire prendre part à ce miracle. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. J'ai vu dans les Écritures, et nous aurons le temps de le voir, qu'il ne suffisait pas simplement de pouvoir. Dieu a donné des grandes choses. La provision est venue de lui pour le sanctuaire d'Israël, pour le temple de Salomon, mais aussi le plan. David avait le plan. Nous ne pouvons pas chiffrer un projet dont nous n'avons pas le plan. Quel genre de bâtiment nous voulons? Quelle capacité? Et Dieu ne veut pas que nous fassions un plan selon ce que nous voulons. Alors, sa grâce va nous révéler le plan. J'ai vu dans les Écritures, même le lieu a été désigné par le Seigneur. Vous savez, nous avons eu deux tentatives infructueuses dans l'histoire de cette église. Ce cinéma que nous n'avons pas atteint, ce terrain que nous n'avons pas atteint, n'est-ce pas? Et je me repens devant Dieu. Et je veux qu'en tant que peuple, nous nous repentions. Parce que nous n'avons pas attendu la révélation tant du lieu que du plan. Mais nous avons appris. Et nous voulons croire qu'il va nous donner un plan et qu'il va désigner le lieu. Amen. À l'issue de cela, nous allons chiffrer parce que nous savons ce que Dieu veut et où il veut que nous le placions. Dans cette onction de grâce, répandons-nous devant le Père. Et recevons en même temps que le pardon, la grâce de son inspiration. Croyez en cela, croyons en cela. Ô Père, nous nous repentons devant toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour les échecs que nous avons connus, avec toi on ne doit pas échouer. Mais nous ne connaissions pas toutes tes voies. Dans ta parole, j'ai découvert beaucoup de choses. Et en tant que premier responsable, je me repens devant toi. Mais je te remercie pour ta miséricorde et ta grâce.
Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Maintenant que nous sommes instruits, nous nous attendons à toi. Nous recevons la grâce de l'inspiration divine en ce qui concerne le lieu et le genre du bâtiment qui nous veut ériger à la gloire de Jésus-Christ dans cette ville. Et cette grâce est ici, cette grâce est ici, cette grâce est ici. Vous n'avez pas tous la même responsabilité que moi, mais nous avons une foi commune. Si nous sommes unis dans la foi, Dieu va faire ce qu'il a toujours fait dans sa parole. Alléluia. Soyons unis dans un même élan de foi. Car sans Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais notre foi va amener l'Esprit à agir. Et faire avec nous exactement ce qu'il a fait avec tous ceux qui ont obéi. Tous ceux qui ont obéi. Et nous sommes prêts à obéir, Père. Nous voici. Nous sommes prêts à obéir. Nous allons chanter ce cantique comme une confession. Comme des personnes qui visualisent ce que Dieu a fait. Je ne connais pas très bien les paroles en français. This is your home, your house. We welcome you, Lord. We welcome you. On dit c'est ta maison, c'est ta demeure. Nous t'accueillons, n'est-ce pas? Nous t'accueillons. Nous le chantons par la foi comme si nous l'accueillons déjà à cet endroit-là. Alléluia, c'est un cantique prophétique avec lequel nous terminons. Conduisez-nous dans ce cantique, s'il vous plaît, et chante-le par la foi. C'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons, Dieu, nous t'accueillons. C'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons à casa. C'est ta maison, c'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons, Dieu, nous t'accueillons. C'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons à casa. C'est ta maison, c'est ta maison. Alléluia, ta demeure. Nous disons Père, nous t'accueillons. Père, nous t'accueillons. Oh, c'est ta maison, ta demeure, ta demeure. Oh, nous t'accueillons à casa. C'est ta maison. Pour toi, c'est ta maison, c'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme. Nous t'accueillons, Seigneur, c'est ta maison, ta demeure. Nous t'accueillons à casa. Amen. Alléluia.